C'est pas beau ça, ma biche. C'est pas magnifique ça. Cette belle platine. Pioneer FT-F850. Alors juste, je vous ai pas dit bonjour. C'est normal parce que j'ai fait une vidéo ce matin sur le retour d'hier et puis sur l'emplacement des enceintes. Sauf que la vidéo dure 30 minutes et que du coup, elle a du mal à passer, n'est-ce pas? Donc en attendant que Moumout arrive et qu'on fasse des petits essais et que ma vidéo de ce matin passe probablement ce soir, je fais une petite vidéo sur cette platine cassette car j'ai un client potentiel qui est intéressé par cette platine cassette. Donc il s'appelle Christophe, Henri, Patrick, je sais plus son prénom, je suis désolé, je sais qu'il me regarde, je lui ai dit que je lui en faisais une tout à l'heure. Voilà, donc elle a malgré tout un petit éclat de peinture, n'est-ce pas, ici, une autre petite éraflure, n'est-ce pas, ici. Donc peut-être que je mettrai un petit coup de feutre noir, je sais, c'est pas très catholique, mais c'est pas grand-chose. Voilà, sinon elle est en parfait état, elle fonctionne depuis ce matin. Alors là, on va faire un petit essai. Voilà, donc là, d'enregistrement. Donc on va enregistrer ça. Tape. Play. Merde, faut que je fasse les deux. Enregistrement. Oh my god. Donc nous avons des réglages, n'est-ce pas, de... Voilà, là on va régler le volume. Donc là, bah, comme il n'y a pas beaucoup de chansons, il faut surtout le régler correctement pour pas que ça y ait de la distorsion. Donc là, on voit, elle tourne. Je m'étais mis à zéro. Donc après, on a divers réglages. Hein. Donc voilà, hop. Pause. Là, on va arrêter tout le bastringue. On va se remettre donc à zéro. Hop. Là, on est bien bon. Et on va mettre play. Et y a rien, et y a rien, et si, il y a quelque chose. Vous voyez, je vais baisser après, voilà. Là, c'est au moment où j'ai baissé le son. Hein, avec cette molette-là. Donc ensuite, on va faire... Vous voyez, je vois en direct. Non, mais c'est bien parce que j'ai toujours un peu de mal, moi. Vous savez, envoyer des trucs sans que les gens viennent. Bon, là, ça va, c'est une platine cassette, donc... Puis le monsieur, il la connaît, il en a plein. Hop, allez, on va mettre un goût de musique. Donc là, on est sur du classique. Non, elle n'est pas enregistrée à cet endroit-là. On va la retourner, donc. Hop, vous voyez, il n'y a pas d'éjection comme sur certaines platines. Ah ben, je fais un truc en direct et ça marche pas. Oh, saloperie. Voilà, j'avais pas remis ça. En fait, on peut l'ouvrir. Mais s'il est ouvert, ben si, ça démarre. Voilà. Donc là, on recule. Alors, j'ai essayé plusieurs cassettes parce qu'il faut se méfier. Là, j'ai essayé des vieilles cassettes qui, des fois, sont un peu plus dures. Pas avancement, qui sont un peu plus dures. Ben voilà, perfecto. Donc, belle platine, les enfants, belle platine. Voilà, donc j'espère que ça lui conviendra et si ça lui convient, bah, qu'il me rappelle parce qu'en fait, j'ai vraiment une bille, moi. Il m'a appelé ce matin, donc Pierre, Paul, Henri et Jacques, de son prénom, il en a plusieurs en fait. Hein. Ça vient de sortir, mes clients ont plein de prénoms maintenant. Et c'est comme David et Bruno en fait, et Maryse. Et du coup, bah, qu'il me rappelle, donc il me laisse un message si je réponds pas parce que, voilà, j'ai pas pris son numéro. L'abruti moyen de série. À bientôt les amis sur Radio Classique, la radio que tout le monde écoute. On est sur les G4 là. Tu t'écoutes quand même. Tu t'écoutes quand même. Bon, j'ai pas le micro là. Hein. Bon, écoute, Paul, tu me rappelles, on se fait une bouffe et je t'envoie la platine. À tout à l'heure, Paul. Salut sur Radio Moumoute, la radio que tout le monde écoute, Radio Classique, la nouvelle radio de la Hi-Fi.